L'univers psychiatrique a considérablement évolué ces dernières décennies. Les méthodes, les lieux de vie, le confort. Au Rouvray, depuis les années 2000, un important programme de rénovation a permis de transformer les pavillons d'hospitalisation. Reste néanmoins l'enfermement. Le service est coupé en deux. Une partie héberge des patients qui peuvent sortir à certaines heures. L'autre est close avec comme seules ouvertures sur l'extérieur, les fenêtres et une petite cour grillagée, notamment pour fumer, activité essentielle dans un hôpital psychiatrique. On s'ennuie beaucoup. Rien contre mon milieu personnel, mais le docteur, c'est bien, mais ils n'ont pas le temps. Ils ne prennent jamais le temps. Ils arrivent dans 10 minutes, et une heure et quart, une heure et demie après, ils ne sont toujours pas là. L'ennui, c'est ce qui ressort chez de nombreux patients. Des journées rythmées par les repas, les prises de médicaments et les entretiens avec les médecins, les psychologues et les infirmiers. Il existe bien des activités sportives et artistiques, mais elles ne sont pas nombreuses et pas pour tout le monde. Mais l'ennui s'explique aussi par la pathologie. Très souvent, quand on parle notamment de dépression, l'ennui est l'un des symptômes aussi de la maladie. Donc les patients expriment cet ennui à l'hôpital, mais ils l'exprimeraient également à l'extérieur, dans leur vie quotidienne. Une culotte à moi, ils vont me la rendre. On va tout vous rendre, vous inquiétez pas. Tout ce qui est à vous, on vous le rend. Je vais me rendre ma culotte. On va lui dire, je vais lui dire tout de suite. Je vais aller demander ce qu'on vous la rend. Certains patients sont hospitalisés depuis des années. Les comportements délirants, les déambulations incessantes dans les couloirs, la souffrance des patients, autant d'éléments parfois difficiles pour le personnel. Ça peut toujours être un peu compliqué de prendre la souffrance de chacun. Le tout, c'est d'arriver à justement la mettre de côté et d'arriver un peu à refermer la porte le soir. On va en avoir besoin pour faire les repas. C'est les cruches de l'unité. On les range, on les utilisera ce midi. Ok ? Vous ne pouvez pas manger de la confiture. D'accord. Allez-y. Vous avez déjà déjeuné. On essaye de jeter un petit peu partout, que personne prenne des couteaux ou quoi que ce soit pour la sécurité. C'est important de faire attention. Vous avez trouvé du feu, c'est bon ? Oui, j'en ai un briquet. Moi, j'en ai un. D'accord. C'est parti où ? Au lavage ? Je ne sais pas. Oui. Ah, parfait, pas. Les patients sont souvent en demande de tabac, d'un service ou simplement de contact. Ils ne cessent de toquer à la porte ou à la vitre de la salle de soins où se trouve le personnel. Et parfois, en vain. Nous, on ne veut pas faire subir aux patients. Donc, quand vous avez des arrêts, etc., qui tombent, vous êtes en sous-effectif. Ça passe toujours. On fait toujours ce qu'il faut faire, au moins au minimum. Le soin somatique, les prises de sang, les prises de constante, donner les médicaments, etc. C'est des soins qu'on ne peut pas éliminer. Et puis celui qui va être éliminé, malheureusement, c'est pas le lieu, mais c'est le soin relationnel. Malgré tout, il existe un lieu au cœur de l'hôpital, au milieu de toutes ces unités fermées, où l'on peut tenter d'oublier le reste pour ceux qui y sont autorisés. La cafétéria permet de rencontrer ses proches ou d'autres patients dans un univers qui ressemble à celui au-delà des murs.